le bien droit, hein. Oh! Vous direz ce que vous voudrez, mon cher cousin, il est fort regrettable que Margaret ne soit pas là. Oh, le canard, l'admirable canard aux oranges. Une aile. Et puis, une cuisse. Et où est-elle exactement, cette chère Margaret? Elle est à la campagne. Au loin? Non, pas très loin d'ici. J'ai des amis. C'est des amis? Des amis que nous connaissons. Bien. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service? Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, elle est ici depuis 15 ans. Moi? Ah non, je confondais avec la cuisinière. Ah, madame Petit, je... Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subit. La rougeole, oui. Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah! Oui. Certainement. Oui. Oh, pardon. Et où demeure-t-il exactement ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où il demeure exactement. Ben, c'est bien simple, il demeure exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.